la vie des macaques rhésus des montagnes Hang passe d'un extrême à l'autre. Lors de la saison des pluies, ils peuvent s'abreuver grâce aux fruits et aux feuilles. Mais ils se rendent cependant fréquemment sur les rives du lac. Durant l'hiver, les singes en sont réduits à se nourrir d'aliments peu nutritifs, tels que les aiguilles de pin, les écorces et les racines. Et pendant l'été, les arbres à feuilles caduques leur offrent une source abondante d'aliments de bien meilleure qualité. Même atteint de cécité, pratiquement tout est source d'amusement pour un jeune singe. Et la jeune handicapée tente d'attraper les gouttes de pluie qui lui tombent sur la tête. En cette saison, Jia a une drôle d'apparence. Pour pouvoir supporter la chaleur de l'été, les macaques rhésus perdent leur poil d'hiver pendant le printemps. La pluie ne semble pas vouloir s'arrêter. La petite aveugle doit chercher un abri. Les pluies incessantes ont cependant un avantage. Les singes n'ont plus besoin de descendre au lac pour boire. Leur fourrure et leurs mains mouillées leur fournissent plus d'eau qu'il n'en faut pour assouvir leur soif. Le sol desséché absorbe toute l'eau qui tombe du ciel. Les versants, autrefois arides, sont désormais recouverts d'une végétation luxuriante. Les macaques se nourrissent de 99 plantes différentes, dont la plupart sont en fleurs en ce moment. Lorsque le ciel va enfin s'éclaircir, ils vont pouvoir s'en donner à cœur joie et festoyer.